Eh bien bonsoir à tous les amis, c'est Rudiaz aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce que j'ai eu l'expérience de, comment dire, démonter un compact d'artifice et récupérer juste les petites cartouches. Vous voyez, parce qu'en fait, à l'intérieur d'un compact d'artifice, se trouvent plusieurs petits tubes de canon ou que l'artifice est inséré dedans. Et je me suis dit pourquoi pas faire des monocoups tout simplement au lieu que ça s'envoie en rafale, clac 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 clac, avec la mèche qui se consume petit à petit. Et bah c'est moi qui décide de ma table de tir. Donc à chaque. Donc j'ai récupéré les petits. Merde, les petits mortiers sur un compact Charlie. Un Little Big Charlie, la marque Le Tigre, voilà, 48 boules, il y a écrit sur le papier, mais je comprends pas, j'ai que 24, 24 mortiers, enfin petits mortiers, donc voilà. Donc vous attendez pas un feu d'artifice de fou et tout, c'est juste une petite expérience que je me suis dit, pourquoi pas tester, comme ça fera guise de petits monocoups au cas où que, parce que comme vous savez, enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je peux pas commander sur des sites comme Jacques Prévost. Donc, parce que avec ma carte, c'est pas encore désigné, parce que j'ai pas encore une carte adulte, voyez. Alors désolé si vous me voyez pas, je suis dans le noir. À l'heure actuelle, il est 21h31. Il me reste encore 4 feux d'artifice à câbler, et puis après, on tire à 22h30. Donc voilà. Donc vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu tires pas tout de suite? Parce que voilà, et je suis tout seul en plus de ça. Donc normalement j'ai mon ami Valentin qui va me rejoindre tout à l'heure. Donc voilà. Bref, sur ce, moi je vous fais un petit tour du plan de tir. Je vais vous faire un tour. Et puis voilà. Bref, sur ce les amis, bon visionnage. Alors, j'ai 6 petits. Du coup, 6 petits tubes comme ça. Donc j'ai fait protéger avec du film plastique, j'ai inséré un inflammateur. Total, il y en a 24. Donc là, normalement, cela, ça va faire simultanément, je sais plus comment, je galère un peu à dire. Donc ça va faire tac, 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 et après, les trois qu'il y a devant, ça va les envoyer d'un coup, ou l'inverse, soit ceux-là derrière ou devant. Donc voilà. Donc là, après, à l'arrière, on en a 5. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, là, ça va faire une sorte de Z simultanément. Oh, et franchement, ce mot, il est vraiment galère à dire. Donc bref, ça va partir comme ça et ça va revenir comme ça. Donc ça va faire un petit Z. Donc ça, c'est plus pour le bouquet final que je me suis préparé ça. Donc là, j'en ai 2. Donc voilà. Donc après, par là-bas, j'en ai 2. Je vais essayer de m'en approcher. Voilà. J'en ai un là et un là. Donc voilà. Donc tout a été câblé. C'est le bordel niveau câblage. Donc je vais pas vous mentir, hein. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous fera plaisir, hein, les amis. Je compte sur vous. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner. Et puis je compte revenir bientôt sur YouTube en force. Parce qu'avec mon travail et plus mon occupation par le permis, voilà quoi. Donc là il m'en reste 4. Il y en a 2 là. Et de là-bas. 1, 2. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le tir. Bah alors du coup les amis, finalement je me suis dit pourquoi pas en faire un avec vous. Que vous voyez un peu comment je le branche, etc. Oh putain, je me prends les pieds dans le câble moi. Putain. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas. J'enlève bien le pied, voilà. De toute façon celui-là, normalement je vais juste le bout. Impeccable. Ok, donc je vais essayer de lever un peu les pieds parce que c'est pas évident pour moi vu qu'il fait vraiment noir, j'ai pas de lumière mis à part le flash de mon téléphone. Donc là je prends du scotch papier, utilisez plutôt du scotch marron pour emballer les cartons, etc. comme vous voulez. Donc moi j'utilise du scotch papier à peinture, hein. Donc voilà, donc je prends mon artifice, je regarde le sens, par exemple ici on voit que c'est le dessous, donc je vais prendre deux sens là. Le dessus, le dessus. Alors désolé si je filme mal,
Tac, l'inflammateur, j'essaye de le faire passer vers le bas. Là, je retire mon petit fil que j'avais préparé au câblage. Parce que j'ai commencé, il était 14h. Ou non, même pas 13h30. Donc j'ai préparé les câblages et tout. Et puis les feux d'artifice, je les ai mis qu'à partir de 20h. Voilà quoi. Donc hop, je récupère le petit fil de l'inflammateur. Tac. Alors on va éviter de se mettre devant pour éviter le déclenchement du, je sais pas, genre un déclenchement qui pourrait se faire en cas de frottement ou autre. Donc hop, je vais me mettre sur le côté. Tac. Donc là, hop. Une petite épissure. Donc moi, je prends toujours un petit bout de scotch pour cacher une épissure en cas que je sais pas moi, ils viennent se toucher. Donc comme ça, hop, vu que mon épissure elle est au milieu, donc là ils peuvent se toucher, ça craint rien. Donc voilà. Donc hop. Donc on se retrouve après pour le vrai tir du feu. Enfin, de l'expérience. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like et puis en vous abonnant à la chaîne. Cela me ferait extrêmement plaisir depuis le temps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là, je vais reprendre les vidéos en masse, mais je pense que les vidéos du coup sortiront que le week-end parce que la semaine, c'est énormément de taf. Je travaille 12 heures par jour. Donc voilà. Donc sur ce, nous les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tester. Des effets, et puis voilà. Bref, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!